Sarah, 13 ans. Eva, 11 ans. Sarah, 11 ans. Ajar, 11 ans. Chloé, 13 ans. Soen, 12 ans. Zumra, 13 ans. Yana, 12 ans. Clémence, 12 ans. Elif, 11 ans. Sultana, 12 ans. Ces 10 élèves sont les premières filles de la section sportive de football féminin du collège de Bourtwiller à Mulhouse. Elles s'entraînent deux fois par semaine avec leur professeur et un entraîneur de Mulhouse. Équipement, enthousiasme, sportivité, esprit d'équipe, tout y est pour former une équipe, y compris les modèles professionnels à suivre. C'est Gaëtan Tinet, elle joue dans l'équipe de France parce qu'elle marque que des buts et elle défend super bien. Néanmoins, des garçons du collège n'hésitent pas à leur affirmer que le foot est tout d'abord un sport masculin réservé uniquement aux garçons. Bah, y a des garçons qui disent que les filles savent pas jouer au foot alors que on monte sur le terrain, que c'est pas vrai. Bah, des fois ils disent qu'on est nul, ça sert à rien de faire. Parfois les familles elles-mêmes ont été difficiles à convaincre car elles ont plus l'habitude du foot masculin que du foot féminin. Néanmoins, leur professeur est convaincu que ce type de section pourrait au long terme balayer les préjugés. L'intérieur du pied, non, l'intérieur, là t'es sur l'extérieur, intérieur. L'idéal, ce serait de faire changer un petit peu les mentalités. Les mentalités déjà au sein du collège et puis pourquoi pas au sein du quartier, puisque je me rappelle avec M. Choyer, lorsqu'on est allé dans les classes primaires pour faire la promotion de la section, la question qui était posée, mais est-ce que nous, les filles, on a le droit de jouer au football? Et les papas-mamans, parfois, semblaient dire aussi, bah, attention, le foot, c'est pas pour les filles. Et donc, on a voulu démarrer par ça. L'ambition, ce serait de faire comprendre à tout le monde que le football, et le sport en général d'ailleurs, c'est aussi fait pour les filles. Ce type de section pourrait, qui sait, changer les mentalités et convaincre plus de clubs à ouvrir une équipe féminine. À terme, ce qui serait bien, c'est que les filles aillent dans des clubs et du coup que le niveau petit à petit s'élève. Et on aimerait aussi que les clubs ouvrent des sections pour des plus jeunes, c'est-à-dire les CM1, CM2 auraient déjà un vécu de foot et arriveraient du coup en 6e au collège avec un vécu plus important et du coup un niveau plus important. Voilà. Les filles de la section ont affronté d'autres sections sportives de l'académie et ont réussi à s'affirmer sur le terrain, faisant la joie de leur entraîneur. Donc elles ont participé au championnat d'Alsace, tout bonnement, des sections sportives dans l'académie de Strasbourg. Elles ont fini troisième. Elles sont fièrement battues pour leur première année d'expérience dans le football. Elles ont réussi à battre le collège Saint-Exupéry à Mulhouse. Donc, on n'est pas peu fiers. Les professeurs ont 4 ans pour pérenniser ce projet au collège de Bourtwiller. Ce qui est certain, c'est que les équipes féminines dans les sections sportives gagnent peu à peu du terrain.